Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour faire des petites crêpes. Alors, on va faire des crêpes au chocolat. Vous allez voir une recette encore super rapide, super simple. Pour cette recette, on va utiliser le déshydrateur et le blender. Allez, c'est parti. On aura besoin donc pour cette recette de mangue, de courgettes, de farine de lin, de cacao, de sucre d'érable, de vanille et d'un petit peu de sel. Voilà, et un petit peu de citron également. Allez, c'est parti. Donc je vais pour cette recette peler ma courgette pour ne pas avoir pas prendre le risque d'avoir un petit goût amer ou pour ne pas prendre le risque aussi d'avoir une couleur un peu bizarre. Et hop, je vais mettre là-dedans. Il me faut à peu près la valeur de 2 cups de courgette. Donc je vais dire que la courgette entière, ça va aller. Je vais avoir besoin également donc d'1 cup et demi de mangue, de chair de mangue. Donc je vais peler ma mangue. Donc voilà ma mangue. Je coupe ma mangue dans le blender. Je vais rajouter dedans une pincée de sel, un petit peu de poudre de vanille, mon cacao. Le sirop d'érable, un petit peu de jus de citron et je blende le tout. J'ai blendé le tout, je vais rajouter mes graines de lin et je repars faire un petit tour au blender. Voilà, une fois blendé, je vais réaliser mes petites crêpes. Alors j'aime bien utiliser ça parce que ça me donne une portion égale pour faire mes crêpes. Et maintenant, on va les mettre ça au déshydrateur. Voilà nos crêpes au déshydrateur. Bon, bien sûr, vous mettez tous vos plateaux de crêpes. Hein. Il faut fermer la porte. Donc, je vais mettre 60 degrés. Je valide pendant 1 heure. OK. Puis, je vais passer à 45. Je valide pendant 8 heures. Je valide. Je vais mettre demi-charge. Et je mets en route. Voilà, 8 heures après, je sors mes petites galettes du four. Alors, en fait, les crêpes ne se retournent pas pendant la déshydratation. Il faut vraiment attendre qu'elles soient sèches complètement sur une face. Et après, on les décolle. Voilà les crêpes. Et puis, vous pouvez également les faire en grand format, comme ceci. Vous voyez, ça fait un cuir qui est bien souple et qu'on va pouvoir rouler. Voilà, on va pouvoir faire des cônes, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec, les farcir avec tout ce qu'on veut. Voilà, j'espère que vous allez vous régaler avec ces crêpes au chocolat. Je vous dis à bientôt. Au revoir.